بسم السلام الواحد المهيمن المستعان بالجلال المؤمن أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans ce second épisode de cette série bénie l'islam et ses éthiques méconnues qui s'intitulera « L'islam et le respect des fondamentaux humains ». L'islam est une éminente religion qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala pour donner à l'être humain la meilleure des vies ici-bas puis dans l'au-delà. En ce sens, l'islam a institué des principes de justice, de protection et d'équité afin d'accorder à tous les hommes sur terre la meilleure vie possible. Ces principes, distillés de manière générale dans toute la religion islamique, se retrouvent dans 5 finalités principales qui sont placées pour protéger la vie humaine dans tous ses aspects fondamentaux et dans tous ses besoins vitaux. Ces finalités, énumérées au nombre de 5 par la plupart des érudits, sont ce qu'on appelle en arabe « al-maqasid al-khams » ou « al-daruriyat al-khams » qu'on pourrait traduire par « les 5 besoins fondamentaux humains ». Le grand savant de l'islam, l'érudit Abu Ishaq al-Shatibi, qui faisait partie des plus illustres savants de l'Andalousie, décédé en l'an 790 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit dans son livre « al-muwafaqat » au volume 1 à la page 31 « La communauté islamique, ainsi que toutes les religions, sont d'accord pour dire que la législation divine, la charia, a été placée pour préserver les 5 besoins fondamentaux qui sont la croyance, la vie humaine, la progéniture, la richesse individuelle et la raison. Toute la législation, la charia, dans son ensemble, prouve ces finalités. Détaillons ensemble ces 5 finalités fondamentales évoquées par Ash-Shatibi. La première est la religion. En effet, la croyance et la foi étant le bien le plus précieux en islam qui conditionne l'accès de la personne à la demeure future et au repos éternel au paradis, qu'Allah Ta'ala nous permette à tous d'y accéder, et qui est même la raison de notre existence, comme Allah Ta'ala nous le dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est logiquement le premier des 5 fondamentaux à protéger. La préservation de la foi et de la religion se traduit par plusieurs aspects. Parmi eux, il y a le fait de permettre à tous de la pratiquer librement, permettre à tous de l'étudier et de l'enseigner, et la protéger de toutes les hérésies, tant de l'extrémisme que du laxisme, qui pourrait corrompre sa conception dans l'esprit commun. A ce sujet, l'érudit Al-Mawardi, Al-Bouassen, dit dans son célèbre livre Al-Ahkam al-Sultaniyya, traduit en français par Fagnan aux éditions Brochet en 1982, sous le titre « Les statuts gouvernementaux », il dit « fait partie des plus grands impératifs pour le gouverneur d'assurer la protection de la religion dans ses bases fondamentales tel que les a laissés le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut soit sur lui, et sur lesquels étaient en consensus les pieux prédécesseurs de cette communauté. Si un hérétique ou un personnage nourri aux ambiguïtés s'en écarte, il sera impératif de lui clarifier avec preuve et argumentation son hérésie, puis, le cas échéant, de lui appliquer les lois et les peines en conséquence, afin que la religion soit préservée des égarements et que la communauté soit écartée des fourvoiements. La deuxième et la plus importante de ces finalités après la religion est de préserver la vie humaine. Ainsi, tout est mis en œuvre dans la religion de l'islam pour préserver la vie humaine et empêcher qu'on attente à sa sécurité injustement. Le crime du meurtre est le plus grave des crimes auprès d'Allah après le polythéisme, et les peines corporelles les plus dures en islam sont réservées aux meurtriers et aux criminels, tels que les bandits de grand chemin ou autres, qui attentent à la vie et à la sécurité des hommes. Allah nous dit ainsi dans son livre en parlant des meurtriers et des criminels, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Ensuite il dit, en effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur terre. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut questionné sur les plus grands péchés, il dit « Les plus graves des grands péchés sont de donner un associé à Allah, le meurtre, de désobéir à ses parents et de proférer des faux témoignages » rapporté par Al-Bukhari. De même que nombre de législations ont été instituées en islam pour préserver la vie humaine. Ainsi, il est interdit en islam de faire ou de consommer quoi que ce soit qui pourrait être néfaste à la santé. Et inversement, il est autorisé de consommer ce qui est de base licite si l'on craint pour sa vie. Il est interdit de se suicider, de consommer des drogues, de l'alcool, tout cela pour préserver la santé et la vie humaine. Il est même interdit de pointer une arme envers son frère, même quand c'est pour plaisanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut soit sur lui, nous dit en ce sens, « Celui qui pointe une arme envers son frère,
les anges ne cessent de le maudire jusqu'à ce qu'il l'appose, fût-il son frère de son père et sa mère, rapporté par Muslim. Il y a même certaines obligations religieuses qui sont annulées si la personne craint pour sa vie ou sa santé, telles que le jeûne, le pèlerinage quand le chemin n'est pas sûr, les ablutions pour prier ou autre, tout ceci dans le but de préserver cette vie humaine qu'Allah a rendue sacrée. La troisième de ces finalités est de préserver la raison. La raison, cette caractéristique par laquelle Allah différencie l'homme du bétail et qui le rend intelligent et responsable, c'est un bienfait hautement sacré qu'il est impératif de préserver. Ainsi, tout ce qui est fait pour développer la raison est louable et bénéfique, tel que l'apprentissage du savoir, du langage, de la culture, etc., comme nous aurons l'occasion, inch'Allah ta'ala, de le voir dans un prochain épisode à ce sujet. De même, toute chose qui pourrait nuire à la raison de la personne est strictement interdite en islam, telles que les drogues, l'alcool, la sorcellerie, autre que cela. La quatrième finalité est la descendance. En effet, la question de la postérité étant le principal fondement de toute société accomplie, l'islam met un point d'honneur à protéger les généalogies. C'est ainsi que la législation islamique, ou sharia, invite tout particulièrement les hommes à se marier et à perpétrer l'espèce humaine en y accordant une importance et une récompense particulière, et prohibe toute relation hors mariage, quelle qu'elle soit, en infligeant des peines plus ou moins sévères en fonction de la situation du coupable. Allah nous dit à ce sujet « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا » ce qui signifie « n'approchez pas la fornication » car c'est une turpitude et un bien mauvais chemin. À la sourate 17, au verset 32. Ainsi, les généalogies sont préservées, et les lignées sont claires, ce qui permet entre autres de sauvegarder les familles, de protéger la santé des êtres humains, en évitant les risques tels que la consanguinité ou autres, mais également de protéger les enfants qui seront attribués à leur père, pour qu'il ait l'obligation de les prendre en charge et l'interdiction de les abandonner, etc. etc. De même, ce principe empêche que l'on puisse attenter à l'honneur des hommes et des femmes, en les prétendant de mauvaise descendance, fils d'autrui, débauchés ou autre que cela. Ainsi, le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit « Quiconque s'affilie à autre que son père, tout en sachant que ce n'est pas son père, le paradis lui est interdit. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est même établi une peine légale en islam pour toute personne qui accuserait une femme chaste de fornication ou d'adultère, qui est de 80 coups de fouet. Tout ceci dans le but de préserver la généalogie qui constitue le fondement de la société. Et la dernière de ces cinq finalités fondamentales est la richesse et la notion de propriété privée. C'est-à-dire que parmi les plus grandes finalités de l'islam, il y a le fait de préserver et de protéger la richesse personnelle et la possession pour permettre à chaque individu de jouir de ses biens en toute liberté. Premièrement, l'islam encourage fortement les notions de travail, de labeur, de production, d'industrie, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » Ce qui signifie « c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses grandes étendues à la recherche de richesses et mangez de ce qu'il vous octroie comme subsistance et c'est vers lui que se fera le retour. » Il dit également « فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَرُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ » Ce qui signifie « puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah, c'est-à-dire votre subsistance. » Et la salat signifie la prière. Et le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, dit « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » Personne ne peut manger d'une nourriture meilleure que ce qu'il produit de ses propres mains, rapporté par Al-Bukhari. Mais également, cette richesse et cette production individuelle est très fortement protégée par l'islam du vol, de la spoliation et de toute autre injustice qui pourrait empêcher son ayant droit d'en profiter librement. Ainsi, la peine du vol est une peine très sévère qui est, si les conditions sont remplies et dans un contexte où c'est mérité bien évidemment, l'amputation de la main. De même que le brigandage a une peine très sévère pouvant aller de l'amputation à l'expulsion, voire à la peine capitale si le délit de vol est accompagné du délit de l'assassinat. L'islam a aussi placé toutes les limites nécessaires pour protéger l'argent des plus faibles, à l'image de l'orphelin à propos de qui Allah dit « Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira » ce qui signifie « ceux qui consomment injustement les biens des orphelins ne font que consommer du feu dans leur ventre, ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer ». De même qu'Allah a interdit toute tromperie, trahison ou arnaque qui viserait à voler l'argent des gens injustement. Il dit, exalté soit-il, « Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bilbatili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima » Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne dévorent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du commerce légal entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même, Allah est en vérité miséricordieux envers vous. Ensuite il dit, et quiconque commet cela, c'est-à-dire tout ce qui est évoqué précédemment comme vol et meurtre, par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu, voilà qui est facile pour Allah.
Je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série « L'islam et ses éthiques méconnues ». Que la paix soit sur ceux qui auront suivi la guidée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نظمت فيها المنهج القويم لطالب العلم ليستقيما مسارنا على خطى الأسلاف فاظفر به واحذر صدى الإرجاء فيه.